Et bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau live. Alors, on se retrouve sur Minecraft avec un bordel pas possible dans mon inventaire. Hop. Donc j'ai été réparer mes outils suite à quelques petits aménagements qui sont traduits par une grande faiblesse de mes outils en l'air de poche. Alors, on avait fait, dans le dernier live, on avait fini la maison. Hors caméra, j'ai fini les petits intérieurs assez basiques. Yep. Toujours aussi basique. Avec le beau motif qu'on avait dû voir dans le commencement du live. Et qui m'a vite gonflé, donc motif, voilà. Elles ne sont pas encore décorées, je compte le faire prochainement, mais pas tout de suite. Là, je voudrais bien que ça pousse par contre. Alors, on se fait un petit truc comme ça. Ici, on a 3. Ok, donc on va pouvoir faire comme ça. Je vais faire des petits parterres tout le long des chemins. Il n'y a que les allées principales qui seront en version comme ça. Comment dire d'une autre version que ça. Voilà. Hop. Celle-ci, il y aura un petit parterre tout le long. Et des petits chemins. Tout ce qu'il y a de plus basique. Hop, on dégage ça. Et... Ça me dérange un peu. Là. On va se mettre. Histoire de continuer carrément le chemin en fait. On se met les pierres ici pour éviter que ça déborde. De l'autre côté, on va mettre du gravier. Ça passera dessous, mais pas très important. Et il me faudrait même un petit shulker pour pouvoir stocker un peu. Qui est où ma joueur? Shulker, où es-tu? Bah, je ne sais pas. Que j'ai fait ma shulker de sapin? Grand mystère qui se projette. Bref, ce n'est pas bien grave. Ça ne va pas nous empêcher de travailler. Du coup, là, il nous manque un bout de gravier. Ici, on dégage ce bout-là. Hop. Toujours le même chemin, assez basique. Faut que je garde ma pioche pour pas le transformer en silex. Donc là vous avez la même chose avec le petit chemin ici. Là vous allez avoir un petit point d'eau qui n'est pas encore fait hein, bien sûr. Je suis un peu long à faire les points d'eau. Et pour mon stone cutter, il est juste là. Je voudrais quelques petites barrières. Pour mettre quelques petites lumières. Hop. Deux. Oh, on va en refaire plus. Hop. Petite barrière et bug. Hop là. Donc comme ça, ça fait un peu de lumière le long du chemin, ce qui est parfait. Et là, du coup, on va pouvoir se faire le petit chemin, tout ce qu'il y a de plus simple.
Là, on dégage. Pareil qu'à côté, ça sert absolument à rien de conserver ces parties-là. Hop là. Ensuite, paf, paf, paf. Hop, voilà. Ici. L'autre côté, on va se le mettre là, là, là. Du coup, là, il y en a, là, il y en a, mais là, il n'y en a pas. Et j'en ai plus. Et bah comme ça c'est encore mieux. Allez, on bouche au gravier. Et ici il manque juste ça. Petit chemin assez basique. On connaît bien. Hop, je refais la même décoration que ça. Et j'ai plus de dalles, pas de dalles, des roches lisses cuites. Le gravier, c'est pareil, j'en ai plus. Ah, ça commence à se faire rare maintenant. Les bois qu'on a, ils sont partis où qu'on avait tout à l'heure. Là, j'en ai un quatrième. Et les autres, ils sont là. Ils avaient juste popé par terre. Alors, toi je te dégage. Pof. Toi je te dégage. Pof, pof. Vous voyez, si vous me demandez, je torche au fur et à mesure pour éviter le spawn de mob quand je vais partir aller chercher quelque chose qui va arriver dans pas longtemps. Comme vous pouvez vous douter. Ici, on va se mettre un petit quelque chose. Là, on va faut pas mettre la terre aussi près. Il faut laisser un peu de place. Voilà. On va pouvoir mettre l'herbe. Je sais pas si je l'ai déjà dit, mais j'ai possibilité en fait de transformer toute la terre en herbe automatiquement. Via des crafts custom que j'ai mis en place il y a quelques temps déjà. Il y a sacrément même longtemps. C'était l'ancien datapack qui était sur un ancien monde. Donc il y a la possibilité de crafter l'herbe. Qui n'a jamais été fait d'ailleurs. Donc on en récupère bien assez comme ça. Sauf que ça pousse pas assez vite. Je sais même pas si ça avait fini de pousser par là. Ça avait l'air. Allez, je prends les dégâts. Là, vous allez voir un petit point d'eau. Pourquoi un point d'eau? Parce qu'on a envie. Par exemple, là, ça a poussé complètement. Peut-être qu'il n'y a pas assez de lumière, en fait. Ça, c'est possible. Je ne peux pas mettre autre chose. Alors, on va faire un petit tour, hein. Parce qu'il nous manque de la matière, maintenant. Ici, je mettrais bien quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Une petite fontaine, tiens. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une fontaine chez un particulier. Ça mériterait bien une petite lanterne là. Et donc ça peut rendre pas mal. Il y en a déjà au-dessus, mais c'est pas grave. Là par contre ça fera pas beau. Hop, bah, du coup on va placer ça au passage. Fontaine, j'ai quoi comme place? On va faire là en stone. Deux, trois. Ouais, c'est pas beaucoup de place.
là. Donc une fontaine comme celle-ci. Ça fait une belle taille de fontaine. Peut-être même un chouïa trop. Je tiens à signaler quand même. Oh, quoique, un chouïa trop. Toi, tu me parlais. Ça pense à pas. Alors, le problème que j'ai avec cette terrasse. Et très simple. Déjà, j'ai rien pour récupérer les bouts de côté. Donc pour ça, on va faire quelque chose de très simple. Mais pour ça, il va me falloir un composteur. Tout simplement, on va faire des pots. De pots. Qui vont tenir les côtés du parterre. Et en passage, hop. On va en mettre un là aussi. Ici, on va planter la table, pas la table, comment j'appelle ça. On va planter le bois dans le sol, tout simplement pour pouvoir avoir notre espace plat ici. Et du coup, ça fait un petit liseré autour pour passer. C'est pas si vilain que ça, mais ça pourrait être mieux. En version sol comme ça, ça risque d'être compliqué. J'ai fait ma pioche là. Pioche, alors. Je fais des trous. Ouais, j'utilise mes beaux blocs. Ah oui, j'ai plus d'argile. C'est pour ça que j'avais arrêté. Alors, il me faut de l'argile déjà. Ça serait pas mal. Pof. Il me faudrait que je récupère aussi quelques petites torches. On va chercher ça tout de suite. On va se positionner ça aussi au passage. Là, ça manquerait un petit buisson. Et là, il faudrait camoufler un peu cette partie-là avec des petits blocs comme ça. Et là, il me faudrait une petite lanterne. Parfait. Parce que même l'herbe là-dessous a poussé. Moi, je mets de l'herbe un peu partout. Allez, on fait un petit détour. C'est un peu trop de lanterne. Voir qu'est-ce que ça donne de loin. Ça me choque pas. Il faut que je fasse un craft custom pour crafter plus de lanternes une seule fois. Parce que le craft est très basique. Et m'embête largement. Alors. Que déjà je vais me débarrasser de ça. J'ai quelques chaînes. Parfait. Je vais prendre quelques torches. Parfait. Il me faudra aussi quelques carpettes. Parfait. Je vais poser de la terre parce que je vais en avoir trop. Je vais m'en prendre un stack. Et un stack d'herbe suffira largement. Je vais poser les blocs qui me servent pas trop. Faut que je m'occupe de la diorite. La diorite, pendant l'exclamation du Messar, on en a récupéré quand même une shulker en plus, ce qui est pas mal. Je pense qu'il y a même d'en avoir une dessous qui n'a pas été travaillée. Hop, un peu de gravier s'il vous plaît. Et de l'argile, j'en ai plus. Bon. Vite fait. Si vous connaissez pas le craft de l'argile dans mon monde, vous allez le connaître. D'ailleurs, je vais me prendre deux seaux. On va prendre un bain. La salle des bains, elle est là. Hop là. Alors, tout simplement, 8 terres cuites avec un seau d'eau, ça fait 8 blocs d'argile. C'est très 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 long à crafter comme ça, mais ça marche très bien. D'où le fait qu'il y ait une piscine ici.
Et voilà 64 blocs. Je vais me récupérer d'ailleurs deux sources d'eau. C'est que les sources d'eau, hein, si vous posez la question dans ce bassin-là. Et il commence à faire nuit. On va aller dormir dans la petite maison carrément. Ce passage, je vous fais voir l'intérieur. Hop. Il n'a pas évolué. Hein. J'ai mis les petites lanternes, les petites. Comme ça. J'ai voulu faire tout l'intérieur pour vous juste à décorer en fait avec les meubles, les choses comme ça. Comme ça, on s'embêtera pas. Je me suis rendu compte que j'ai encore fait trop de fenêtres. Alors décorer, ça va être un enfer. Mais il y a un petit toit en dessous de toi qui est parfait pour faire des chambres, comme j'ai pu faire. Hop. Il fait jour. Donc vous avez une petite chambre avec la petite face là, quelques petites fenêtres par-ci par-là. Là, ça va être très pratique pour faire quelques petites choses assez intéressantes. Hop là. Donc, on en était. Ah, qu'on n'a pas oublié le bois. Ouais, t'es là, ma shulker. Et j'ai oublié les composteurs. Bien sûr. Attends, puis on va mettre des tonneaux à la place. Les tonneaux rendent pas si vilains que ça. Faut juste les mettre dans le bon sens, ça serait mieux. Petite terre cuite juste dessous pour pouvoir. Quoique c'est normal que ce soit des tonneaux, vu que là, on a fait tout un système en tonneaux. Donc j'y suis. Là, il y a tous les tonneaux. Avec la petite voûte et le petit passage du Nether. Passage du Nether exprès pour les pillagers. J'essaye que dans chaque maison que vous avez comme ça, vous avez un moyen de vous abriter, de passer dans le Nether. Pour pouvoir, la bombe, vous passez dans le Nether, vous atteignez directement la base. C'est instantané, ça va directement, pof, dans la base. C'est vraiment très pratique. Alors, il nous manquait du gravel, juste ici. Donc comme ça, ça permet de faire quelque chose de bien plus propre ici. Là, on va se mettre la petite eau. Parfait. Voilà. Et le petit dernier, voilà. Ça, c'est fait. Du coup, maintenant, il ne restera plus que la fontaine à faire avec. Et j'ai encore oublié des choses. Bon, c'est pas grave. On ira après chercher ce qui nous manque. Gravier là. Gravier là. Gravier là. Andésite. Il nous manquera les planches pour ça. Est-ce qu'on en a? D'ailleurs, j'ai utilisé les dalles là. Je vais à Craft Custom pour les remettre en place. Je sais pas pourquoi je l'ai pas utilisé. Ah, ça c'est bon, on se met la petite table. Petite table et chaise, escalier, ce sera le plus simple. Ça évite de faire des tables trop grandes et des... J'aime bien hein, ce qu'on fait normalement avec les versions grandes et tout, mais je trouve ça pas super. Le fait que surtout que ça soit trop grand. Vous pouvez faire des chaises, vraiment des belles chaises et tout, mais faut que ça soit dans des cotes inimaginables et j'aime pas trop. Quand une chaise fait 3 mètres de haut, c'est compliqué pour s'asseoir. Hop. Des grandes chaises avec la table, les petits murs. Il va nous manquer quelques petites fleurs par là. Ici, il va falloir creuser. Décoration. Pilier de base déjà. Alors, genre on va creuser un de profond de plus. Même peut-être mettre des lanternes aquatiques là-dedans. Alors, hop, pof, pof. Du béton bleu en centre,
quelques petits escaliers par-ci par-là. Petit escalier, petit escalier, petit escalier. Première soucoupe. Ici. Comme ça. Pof. 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 Voilà, ça se peut déverser juste ici. On va se mettre un petit truc comme ça. Hop, je vais casser ça pour pouvoir remonter. Milieu, il me faudrait déjà mon stone cutter et je suis tombé dedans. Mon stone cutter, on va se le mettre là. Il nous faudrait quelques petits murets de pierre taillée. Hop. Et comment je remonte maintenant? Bien sûr, avec un échafaudage, j'en ai dans mon inventaire. Pourquoi pas s'en servir? Tout simplement. Pas, je vais plutôt redescendre d'un cran, faire comme ça, voilà, un bloc par dessus, des petits escaliers comme ça, voilà, si je mets l'eau, ça peut faire de catastrophe. Je vois pas ce que ça peut faire comme catastrophe. Et ça donne que c'est tout inondé et c'est fait très moche. Ce qui est beau dans la fontaine justement, c'est que ça soit pas tout inondé. C'est juste pas. C'est pas une fontaine quoi. Mais elle est pas assez grande pour pouvoir faire guère mieux quand même. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ah, on peut faire une fontaine carrée, tiens. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait, des fontaines carrées. J'ai vu des fontaines en bois sur Insta. Parce que je suis sur Insta, vous pouvez me suivre. Et... ils arrivaient à faire quelque chose de propre. J'arrive pas à faire quelque chose qui n'est pas symétrique, hein. C'est mon gros problème. Bah là, dans ce sens-là, oui, c'est normal. Ça, si c'est pas symétrique, c'est pas beau. Et là, par exemple, on va pouvoir faire un truc avec un piqué encore au-dessus. Si j'arrive à le mettre, j'arrive pas à le mettre. Hop, un piqué comme ça, ça comme ça. Et ben, ça rend pas si vilain. Allez, on va garder ce modèle là. Il va nous falloir un petit peu de béton. Il faudra un petit peu de béton, il faudrait surtout un bloc là. Et on va se prendre des lanternes aquatiques. J'ai une idée, on va pouvoir les faire comme ça. J'espère juste que ça va pas trop se voir. Hop. Et si je la mets juste là, du coup, ça va être pas mal. Alors déjà, béton. Béton, il m'en faudrait combien? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, alors 6 à chaque fois. Pourquoi là il y en a? Parce qu'il manque un escalier. Pourquoi? Donc 6, ouais, 24, donc 20 et 20. 20 béton. 24 blocs en tout. Béton. Béton, béton, béton bleu. Bleu clair. Enfin, et je vais reposer ça. J'ai récupéré des blocs de fer. Je vais les balancer directement à cuire
afin de passer un petit peu de ça. Je voudrais passer les seaux de lave. Parce que du coup, j'utilise les cannes à sucre et. Les cannes à sucre. Les bambous pour faire fonctionner mon four. Et j'avais un peu trop de bambous. De temps en temps, j'aime bien réduire un peu la quantité. Je sais pas ce qu'on va pouvoir faire devant. Une petite piscine ou un truc comme ça. Hop là. En fait, j'en ai pris trop. Non, je sais pas compter. Au choix. Les deux marchent. Alors, j'ai peur de faire ça, mais ça peut marcher. Ça marchera pas par contre. Je vais récupérer la source là-haut. Et du coup, on va pouvoir elle est vendue. Donc l'herbe a pratiquement tout poussé. C'est parfait. Ça arrange bien la chose. Maintenant, si on allait se mettre. Je pense que je vais faire un gros parterre énorme. Je pense pas que ce soit vraiment nécessaire de faire quelque chose de plus petit, dans le sens où je ne sais pas où va être l'entrée de la prochaine maison, et mais je sais pas non plus si c'est moi qui vais le faire ou pas. Ce serait rigolo ça. Je vais laisser faire les abonnés de maison. Un peu d'argile moche pour mettre dessous, si j'arrive à la mettre. Hop. Ça permet de passer un peu d'argile. Et j'en ai trop mis à côté.
Alors là, c'est bon, là, c'est bon. Ça commence enfin à ressembler à quelque chose. Pendant que la sculpture est là, je vais récupérer quelques petites barrières. Table de craft. Oui, comme vous pouvez savoir, hein, je cache des tables de craft un peu partout. Mon habitude. Du coup, là je vais en mettre une. Là il y aura une plante, là il y en aura une autre, là il y en aura une autre. Celle-là un peu plus grosse que les autres. Celle-là un peu plus normale. Shulker de feuilles, elle est restée là. Et on peut même passer par là du coup. Là ça spawn par contre. J'apprécie pas beaucoup quand ça spawn. Donc on a le cœur de feuilles, on va pouvoir mettre des feuilles. On est dans quel biome là? S'il te plaît, merci. Badland, de toute façon. Bah oui, de toute façon c'est un Badland. Hein. Ce qu'on a enlevé. Hop, celle-là. Je vais même les mettre moins hautes. Comme ça. Celle-là, je la laisse comme ça. Celle-ci, comme ça. Celle-ci grande, qui part. Voilà. Celle-ci, juste des boules. Boules, on a dit. Alors, si j'arrive à... plus ou moins bien taillé, et lui juste un peu de verdure. Donc là ça c'est bon. Maintenant les plantes, les choses comme ça, on utilise la même chose peut-être quand ce qu'on a déjà mis là. Donc quelques pivoines, des roses, des buissons, des choses comme ça. Déjà on va poser les trappes et les planches. Je vais aller chercher ce qu'il faut pour finir cette allée. Et il faut beaucoup de choses. Là, deux. Hop. On hésite. Non, on hésite, on garde en dernier, on a dit. C'est bien plus propre si on garde en hésite en dernier. Pof, pof. Hop,
là. Donc, ça. On a dit des fleurs, des blocs de stone lisses. Et je suis passé. Si, je suis passé. Ici, il n'y a rien. Ici, il n'y a rien. Circuit jaune. Ah, voilà. Oh, 3. Un peu boubou, 3 quand même. Ici, des orchidées. Des lilas, donc il va falloir le dupliquer. Des baies sucrées. On a dit lilas, ça. Et des rosiers. On a dit pivot. Non, on a dit lilas pour pivoine. Je peux poser quoi? Il faut que je fasse un peu de place. Donc on va poser les blocs comme ça. L'andésite, on s'en est pas servi. Je vais aller chercher les eaux directement en bas. J'ai vu qu'on en avait une petite quantité, donc je vais en prendre ce qu'il me faut. Ouais. Un stack d'os. Ça sera parfait. Et on va aller tout de suite chercher ce qu'on a à faire. Alors, comme je vous ai dit ici, façon de mon avis, ça va rester comme ça. Ici, là, c'est pas de la terre qu'il faut mettre. Donc là, ça c'est de la terre, ça on le sait que c'est de la terre. Là, on va continuer un peu le chemin vite fait. Hop là. On hésite ici. Voilà. Cutter, il est là, il nous faudrait deux barrières comme ça, ensuite des petites lanternes par-dessus. Niveau éclairage, là c'est pas bon, mais ça on s'en doutait un petit peu. Qu'est-ce qu'on va faire? Ça, tiens, voilà. Faut bien refaire le même motif que ça là. Alors déjà, on va se mettre quelque chose. Hop. Ça, ça aura le temps de pousser. Ça me ralentit, c'est une horreur. Lâche-moi. Alors, déjà ça, ça, ça. On aime bien les orchidées bleues. Je vais t'en mettre un là et je vais te mettre une grande fleur devant, rose. Donc, un petit rosier là. Ça là, un petit buisson, une orchidée. Et si normalement c'est bon. Ensuite, là il manque des quelques fleurs. On va se mettre un petit rosier là, un petit lilas là. Jardin un peu broussailleux. C'est ce qui fait le plus propre hein, sur Minecraft, le jardin broussailleux. Hop là, je vais même récupérer quelques lilas.
Il va falloir que je me fasse un petit truc pour faire des baies là. Ces petits buissons de baies sont vraiment intéressants. Très intéressants. Hop. Donc là, on va dire que c'est bon. Ici, il manque de la lumière au sol. Ça fait pas le moindre doute qu'il manque de la lumière au sol. Et pour mettre de la lumière au sol, on va utiliser quelques petits blocs de shroom light. Et je vais en mettre un là déjà. J'ai encore les carpettes pour pouvoir camoufler ça. Voilà. Et ici, et par là. Petit problème par ici, c'est que ça m'arrange pas du tout. Ça m'arrange pas. J'ai une autre idée. Hop là. Pouf. Normalement, ouais, j'ai des carpettes marron. Parfait. On repose les carpettes, on repose ça. J'en ai un petit peu plein d'inventaire, faut pas vous inquiéter. Je vais poser les floraisons. Hop, voilà. Ensuite, un peu de bonne mince. Ici, on va falloir travailler un peu sur l'entrée de la maison. Ah, on n'a pas décoré là, et j'ai posé mes fleurs. C'est pas cool ça. J'ai plus de terre, j'ai plus rien. Si j'ai de la terre normale. Hop là. Alors, on va essayer de refaire ce petit schéma juste à côté. Un petit stone cutter. Alors, deux dalles, quatre escaliers. Bon. 1, 2, 3, 4. Hop, deux dalles, pof. Ensuite, il me faudrait ça. Un bloc de sculpté. Et c'est bon. La hauteur, ok. Je me laisse monter. Parfait. Alors, comme ça. J'ai pas pris l'un des îles polies. Là, là, ça. Et j'espère que c'est pas spawnable au-dessus. J'ai pas regardé. Ça a pas l'air. Hein. Ça a pas l'air spawnable. C'est mieux que rien. Alors, ici. On n'a pas fait la décoration. Ouais.
Donc on va poser ça, on va poser ça, on va récupérer la poudre d'os, les rosiers, les lilas, les orchidées et les baies. Le sapin m'intéresse pas parce que ce qu'ils se mettent à pousser ici, ça devient un peu plus compliqué. Plein de rosiers. Voilà, plein de rosiers. On se met une petite baie derrière. On a dit une petite baie. Hop, hop. Je vais pas mettre d'orchidées. Je les ai pris, mais je vais pas les mettre. Tout simplement, je pense que ça ferait un peu de tâche. Petit peu de fourrage, j'arrive à la mettre. Mais non, au secours, je suis bloqué. Là-bas, il n'y a pas la place. Et hop. Là, je décore pas cette la part. Tiens, hop. On va juste empêcher le spawn. Donc, le petit, deux petits parterres. Vous rentrez là. Voilà, c'est décoré. Vous allez voir le petit chemin pour faire le tour. On n'a pas fait le reste de la murette. La murette. On a vu la murette. C'est quoi ce trou là? T'as pas fait murette? Alors, murette. Déjà, moitié de ça. Ça fait plein de blocs comme ça. On n'a pas de pierre taillée. On n'a pas de dalle. Et on va se refaire un peu de pierre taillée parce qu'on aime bien ça. Voilà. Quelques petites chaînes. Parfait, et du coup on va finir cette partie là. Voilà, plus de spawn sur le mur déjà, et de toute façon les mobs, parce que personne ne peut passer à travers le mur. À part en volant, sinon personne ne peut passer. C'est physiquement pas possible. Mur infranchissable. En plus d'avoir l'admidale en plus qui vous bloque, vous avez la chaîne. Et on aurait pu d'ici, on aurait pu mettre une barrière au-dessus. Ça en fait plus opaque, mais encore moins perméable. Et voilà. Alors, du coup, l'avant de la maison est bon. L'arrière, partie jardin, est fini. Il manque juste la partie entre les deux. La partie entre les deux qui est ici. Là, ça fait une belle place encore. Ça fait une belle place.
Là, vous avez le petit jardin qui fait le côté. Ici, vous avez l'allée des sapins. Je sais même plus où l'entrée, si je passe à côté. Donc là, vous avez l'entrée. L'autre côté est quand même beaucoup plus fleuri, hein. Ça, c'est fleuri, là. Allez. Sur ce, je vous dis à bientôt. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Twitch et à ma chaîne YouTube. N'oubliez pas d'aller voir mes vidéos et de vous abonner à mon Insta. Je publie une fois de temps en temps du contenu de plus ou moins bonne qualité. Allez, à bientôt. Surtout, portez-vous bien.